Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Vous avez été nombreux sur Instagram à me dire « Oui, Karine, on veut savoir, t'as pré-rentrée, on veut savoir tout ce qui s'est passé. » Et du coup, écoutez, je vous reprends. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Instagram, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, c'est Karine, je suis enseignante à la base en France. Et là, je me suis expatriée, j'ai immigré au Canada, à Montréal. Et je vais commencer aujourd'hui ma première journée à l'école. Comment vous dire que je suis excitée comme une puce et en même temps hyper... je sais pas, une grande stressée, mais un peu de stress quand même. Je vais rencontrer mes collègues, je vais découvrir ma classe potentiellement. Je suis venue déjà à l'école, vous l'avez vu dans un de mes autres vlogs, mais j'ai pas pu visiter, etc., ma classe. D'ailleurs, j'ai pas pu visiter grand-chose de l'école. Donc là, ça va être trop bien. Comme vous constatez... Karine est toujours malade, donc j'avais toujours mon rhume pendant tout le mois d'août. Je parle toujours du nez et maintenant, c'est descendu un peu dans la gorge. Pourtant, je fais des mouchages de nez, oui. Donc, non, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Mais Karine, il faut bien nettoyer ton nez et tout. » Mais je le fais, j'en peux plus. Donc là, ça tombe sur la gorge, donc j'ai bien mis un truc pour couvrir ma gorge parce qu'il fait quand même 15 degrés. Bon, ça a l'air de se dégager, mais il fait pas chaud. Donc, on va éviter d'être plus malade que je ne le suis. On va essayer de faire attention pour bien commencer la round three. Bon, j'ai trouvé une place, je suis trop contente. J'attends une collègue qui arrive à pied, enfin en bus. Une collègue française qui va travailler avec moi. On n'est que deux françaises dans l'école, donc c'est trop cool. Et bah, let's go. Et je vous redis tout à l'heure mes impressions. Et d'ailleurs, je vous dirai un petit peu tout ce que j'ai appris hier pendant ma journée de formation. A few moments later. Hello, je vous retrouve en cette fin de journée. Et oui, je suis déjà rentrée à la maison. J'espère que j'ai pas trop une tête de fatiguée. Je n'ai pas filmé, comme je vous ai dit. J'ai pas filmé dans ma classe, mais j'ai eu une grosse journée d'information avec une réunion toute la matinée. Vraiment un très 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 bel accueil, un petit déjeuner offert par l'école. On a eu des collègues très souriants qui sont venus nous accueillir personnellement, nous souhaiter la bienvenue. Vraiment, l'accueil a été formidable, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'était top. Le midi, j'ai pu aller visiter un petit peu l'école et voir ma classe. Je vous avoue que ma classe est assez basique, donc il va falloir que je nettoie, parce que honnêtement, je ne sais pas si ça a été nettoyé pendant les vacances d'été, mais j'ai cru comprendre que les sols étaient nettoyés, mais pas le reste, donc... Il faut nettoyer les meubles. Vraiment, clairement, il faut que je nettoie les meubles. Donc, demain matin, ça va être nettoyage. Et après, il faut que je trie tous les placards parce que ça n'a pas été trié. C'est un peu le bazar, hein. Je vais pas vous mentir. C'était clairement le bazar dans la classe. Enfin, les tables étaient bien mises et tout ça. Mais dans les placards, c'était le bazar. Donc, il va falloir que je nettoie, que je vide les placards, que je trie, je range pour que ce soit à mon goût. Et là, je pense que ce soir, je vais réfléchir à ce que je vais faire comme thème. Comme je l'ai annoncé sur Instagram. Donc, si tu me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à me rejoindre. Je vous ai annoncé que j'allais pas faire le thème Harry Potter. J'ai fait quand même 4 ans de classe Harry Potter. Et pour moi, c'est relié à mon ancienne école où j'ai passé 4 belles années avec mes CM1, CM2. Voilà, je vais faire du Harry Potter dans ma classe à un moment donné. Je vais utiliser mon livre. Parce que oui, je vous en ai pas parlé. D'ailleurs, je l'ai ramené à l'école, mais... au cas où on me demandait, puisqu'il fallait ramener une photo de son talent, et moi j'ai ramené une photo de moi avec mon livre. J'ai ramené mon livre, je vous le montrerai je pense demain ou ce week-end. Et dans ma classe, évidemment, je vais avoir envie d'utiliser mon livre, je vais avoir envie d'utiliser les fiches pédagogiques que j'ai fait liées à mon livre, autant utiliser les trucs qu'on a soi-même fait. Mais donc je vais faire un peu d'Harry Potter, ou du côté magique, mais je pense que je vais faire un thème qui tourne autour de l'art dans le monde, comme ça me permettra de parler des différents pays du monde et ça me permettra de parler de la France aussi. Peut-être que si je parle de l'Angleterre, je pourrais parler d'Harry Potter, vous voyez, mais je vais, comme mon école est tournée sur l'art, j'ai envie de rester sur ce domaine-là de l'art. Et pourquoi pas l'art dans le monde. Je me dis qu'en plus, j'ai des petites visions de présentations, de choses sympas à mettre dans ma classe. Donc comme ça commence à se construire tout doucement, je me laisse ce week-end pour vraiment préparer de la déco, des trucs qui me correspondent, plastifier tout ça. Ça va être ce week-end. Je vais avoir un week-end chargé quand même. Et en tout cas, je pense que je vais faire ce thème-là. En tout cas, je veux une classe un peu colorée. Je veux pas mettre plein de déco partout, mais je veux des petits trucs pop, des petites lumières. J'ai vu une classe d'une collègue. Ma mamie, quand je l'ai vue, j'ai trouvé trop belle, avec de la verdure, beaucoup de plantes. Assez zen, des petites lumières et tout, je trouve ça trop canon. Vous savez, si vous suivez des filles sur Instagram, des maîtresses sur Instagram américaines ou canadiennes,
C'était dans le même esprit. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas pour l'instant filmer dans ma classe. Je vais attendre toutes les autorisations et d'être clean avec ça, de pouvoir me dire, bah tiens, si je vous filme telle partie de ma classe, c'est autorisé. Vraiment, je vais faire tout dans la norme. Donc promis, dès que j'ai les autorisations, je le ferai avec grand plaisir. Mais là, en tout cas, je ne vais pas me permettre. Donc, en tout cas, ma classe est lumineuse, plutôt lumineuse. Avec du rangement, elle sera à mon goût. Elle est un peu dans les tons bleus. Donc, je pense que ça ira avec mon thème si je fais l'art autour du monde, avec la planète Terre. J'imagine bien une grande planète Terre à peindre ou quelque chose comme ça. Ça peut être un thème qui me booste. Alors, je ne vous l'ai pas dit encore en vidéo, mais je vais vous l'annoncer aujourd'hui. Je suis remplaçante dans cette école pour un congé. Enfin, je remplace un congé maternité qui potentiellement reviendra au mois de mars. Donc, logiquement, jusqu'au mois de mars, je suis sûre d'être dans l'école. Et après, potentiellement, la personne reviendra, mais c'est pas sûr. Donc peut-être que j'y serai pour l'année, peut-être que j'y serai que jusqu'à mars. Et la directrice m'a dit, selon comment je vais travailler dans l'année, peut-être qu'elle fera en sorte de me garder dans fin d'année dans l'école en tant que personne ressource ou quelque chose comme ça. Donc on verra, enfin personne remplaçante peut-être d'une autre collègue, j'en sais rien en tout cas, je sais pas comment ça se passe. Mais voilà, pour l'instant c'est, en plus je suis là que jusqu'à mars, donc je vais m'investir évidemment, je vais tout faire. Mais je sais pas si je peux tout masteriser dans la classe. On verra. Je vais redemander confirmation auprès de ma directrice. Mais voilà pour les infos du jour. C'était un bel accueil, une belle pré-rentrée. Du coup, demain, je vais m'attaquer vraiment à ma classe. J'ai encore un peu de réunion demain pour les élèves, les répartitions d'élèves, des nouveaux élèves et tout ça. J'aurai ma liste potentiellement d'élèves. J'ai vu qu'ils avaient, ils offrent les agendas aux élèves, en fait. Enfin, je sais pas s'ils offrent ou si c'est payé par les parents, je sais pas. Mais en tout cas, je dois aller récupérer les agendas. Moi aussi, j'en aurai un, donc je vais aller voir ça demain. C'est bien, on est gâtés si on a même un agenda de maîtresse. Voilà, donc voilà pour les infos. Donc maintenant, je suis en train de fouiner sur les blogs de maîtresse. Là, j'étais en train de regarder sur le blog Thibaut de maîtresse. Je regardais aussi sur le blog de Stylo Plume, parce que j'ai vu qu'elle faisait des thèmes aussi sur le monde, autour du monde, tout ça. Donc, je suis en train de peaufiner. Vous voyez ce genre d'affiche, je me dis que ça sera super classe pour la porte et tout. C'est hyper sympa. Donc, Stylo Plume, elle a fait pas mal de trucs. Donc, ouais, j'étais en train de chercher sur Google. Parce que oui, souvent, je trouve pas toutes mes idées dans ma tête. Hein. Des fois, je cherche des supports de maîtresses qui ont eu ces idées. Et après, quand j'ai pris les informations qui m'intéressaient, je vais l'intégrer et la faire à ma sauce. Mais pour l'instant, déjà, j'essaye de trouver mon thème. Il faut que j'arrive à visualiser aussi comment répartir mes journées, parce que au Canada, les journées sont 5 périodes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 5 périodes. Ça fait, on va dire, 5 heures de cours. Mais vous n'avez pas les 5 heures vos élèves, puisqu'il y a des moments où ils sont en anglais ou en sport, etc. Donc, il va falloir que je fasse mes emplois du temps clairs. Donc, il va falloir que je fasse un nouvel emploi du temps qui n'aura pas du tout la même structure que ceux que j'avais les dernières. Un nouveau style de cahier journal aussi. Donc, voilà. Voilà pour les infos. Je vous tiens au courant. Mais en tout cas, vous avez vécu aujourd'hui ma pré-rentrée. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas filmé beaucoup. J'aurais pu faire un réel et tout, mais non. Non, je vais garder mon petit cocon aussi. Je vais vous partager plein d'infos, plein de différences. Et vous me direz ce que vous avez envie de voir aussi, sans voir forcément ma classe. Mais si vous voulez, je vous partage voilà, mes préparations comme ça. Peut-être mes avancées de présentation, mon thème, comment je vais structurer ça. Et évidemment, s'il y a des choses que moi, je vais créer, bah, je vous les partagerai sur mon drive qui est dans la barre d'infos. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Bon, Michaels a gagné, j'ai perdu, mais j'ai bien craqué. Je sais pas si vous verrez dans le coffre. Je ferai sûrement une vidéo, je sais pas quand. On est le soir, il est tard. Mais j'ai réussi à avoir la réduction enseignant, donc je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai une petite voix, j'ai toujours mal à la gorge, mais je suis chargée aujourd'hui pour mon deuxième jour. Je vous retrouve du coup dans la voiture. Allez, en bonne canadienne. Cette fois-ci, j'ai préparé un cappuccino emmené avec moi dans mon thermos que j'avais personnalisé avec ma Cricut en France. Donc voilà, je suis contente de l'emmener. Ça va être une grosse journée en revanche aujourd'hui aussi. Comme je vous ai dit, je pense dans hier, je sais plus si je me répète, mais j'ai ménage à faire, j'ai encore des petites réunions et je vais ranger parce que vraiment les placards sont désordonnés pour histoire que ce soit clean. Et j'ai ramené du coup de la déco parce que finalement je n'ai pas résisté et je n'ai pas attendu ce week-end. J'ai déjà acheté de la déco et tout. Je vais faire le thème comme je vous ai dit un peu le monde. Alors j'ai pas pris beaucoup de choses sur ce thème là. Je pense que je vais les fabriquer moi-même, imprimer, plastifier parce que j'ai rien trouvé dans les magasins. Mais j'ai trouvé plein de trucs chez Michaels qui sont de la petite déco un peu coloré, des petites choses un peu sympas pour voilà animer ma classe. J'ai pris des petites plantes pour mettre dans un petit coin bibliothèque. J'ai pas trouvé de tapis et ici les tapis sont très chers, donc si j'en trouve un, j'irai voir ce soir si j'ai la force et l'énergie à Renaissance et les magasins un peu Emmaüs seconde main. Peut-être que je trouverai un petit tapis ou quelque chose qui pourrait correspondre à dans mon petit coin bibliothèque. Donc je vais voir ça. Je vais voir ça aujourd'hui, ça va être ça la mission. Puis je vous tiens au courant, faut que j'arrête de faire du bruit avec ma bouche, je suis désolée. Mais vous entendez, j'ai encore malade, je parle du nez, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va.
Bon, sur ce, let's go. Hier, j'ai mis 30 minutes pour aller à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être la même chose? Surprise. J'ai mis à peu près 30 minutes pour y aller, mais en revanche, je mets presque une heure pour revenir. Il y a souvent beaucoup plus de mouchons pour le retour, je ne sais pas pourquoi. Mais déjà, 30 minutes pour y aller, ça va. C'est cool. Donc, j'espère que ça sera pareil aujourd'hui. Comme j'ai ramené toutes mes affaires à l'école, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté chez Michaels. J'ai pris ça à moins... Ah non, ça c'est à Dollarama, pardon, je vous dis des bêtises. Ça c'est chez Michaels pour moins 70%, donc à peine 5 euros. Il est trop, trop beau. Pour accueillir les élèves, ça va être canon. Touk, touk, touk. Chez Dollarama, j'ai pris cette plante qui tombe comme ça pour le coin bibliothèque. Et chez Michaels, j'ai pris ce gros coffre pour faire mon coffre à cadeaux. Et j'ai pris pas mal de choses chez Michaels, j'ai vraiment craqué. Ce petit truc-là pour mettre une petite écriture, enfin accueillir sympa. Des petites lumières comme ça pour mettre autour de mon tableau. J'en ai pris deux à 2 dollars chez Dollarama. Les fameux écrits comme ça pour pouvoir mettre autour des tableaux, mettre une déco sympa. Bon, j'en ai pas trouvé beaucoup. Celui-ci, j'en ai pris qu'un, mais j'aurais peut-être dû prendre le deuxième. C'était pareil, à moins 40%. Alors, tout ce que je vous présente, c'était soit à moins 40%, soit à moins 70%. Chez Dollarama, j'ai pris une map monde comme ça, parce que je voudrais faire le thème de la Terre, je vous ai dit, du monde. Donc, à colorier avec les élèves. J'ai pris ce fabuleux cadre qui va être trop, trop, trop beau dans ma classe. Cette petite boîte pour ranger mes affaires de maîtresse sur mon bureau, ça va être canon. Pour mettre dans ma boîte à cadeaux, c'est crayon à papier et crayon de couleur trop mignon. À moins 70% pour décorer ma bibliothèque, j'ai pris ce petit cadre-là. Pareil, c'était autour de 3 euros grand max. Et j'ai pris deux grands kits comme ça pour décorer les tableaux de ma classe. Et celui-ci, trop beau, j'ai hâte de les installer dans ma classe. Pour finir, chez Dollarama, j'ai pris ce portfolio comme ça pour mettre tous les documents qu'on m'a donné ces derniers jours. Et chez Michaels, j'ai pris cette petite plante aussi pour décorer ma classe. Évidemment, j'ai pris d'autres choses. Je vous les montre juste après. Je vous retrouve à la maison. Peut-être petite tête de crevée quand même. Ce fut une journée intensive. Beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, lavage de murs, lavage de plâtre, lavage de tableaux, lavage des tables. J'ai customisé mon bureau. Je vous montrerai une photo avant, après, juste pour que vous voyez un petit peu... l'idée, même si je pense que je vais vous partager ça sur Instagram parce que on voit bien la différence. Voilà, c'était une journée rangement, on m'a donné quelques conseils, j'ai eu enfin ma liste de classe, donc je vais pouvoir préparer ce week-end tout ce qui est étiquette et tout ça, préparer un peu tout ce qui est organisation vraiment visuelle de ma classe, les étiquettes, les premiers jours, les premières activités. Donc ça va être ma mission du week-end. Je pense que je vous partagerai ça demain. Mais là, je vais finir par vous montrer les petites choses que j'ai achetées chez Dollarama et Michael. Donc ça, vous l'avez vu, je les ai laissées dans ma classe. Mais ça, c'est trop canon. Je suis trop contente de l'avoir trouvé pour ma classe. Et j'ai pas pu installer toute ma déco et tout que j'ai acheté parce que j'ai pas eu le temps. J'étais en train de faire le ménage, ranger. J'essayais de réfléchir comment j'allais agencer les choses et tout. Mais ma foi, je vais finir ça absolument lundi puisque c'est mon dernier jour de pré-rentrée. Chez Michael, j'ai pris ça à moins 40% dans la collection d'automne, mais j'avais déjà repéré la dernière fois et là j'ai pas résisté. En plus, j'ai eu la réduction des enseignants, donc trop contente. Et je le trouvais trop beau là pour mettre sur mon canapé pendant l'automne, ça va être canon. Pour mon Kezia, j'ai trouvé ce petit truc là chez Michaels. En fait, c'est des activités sensorielles, activités motrices, mais vous pouvez faire les lacets, mettre les boutons, etc. Et je sais que mon fils, en ce moment, il sait faire les lacets. Il a 5 ans et ça va lui plaire, je pense. Bon, après, ça fait un peu petit, je trouve, pour lui. Mais pour s'entraîner à faire les lacets, ça va être cool. J'ai repris un petit bac comme ça pour le frigo, pour mettre des petites collations de mes enfants. Des petits bacs comme ça, pareil, pour mettre dans le lunch bag, pour mettre des petites collations, que ce soit des légumes, des petits fruits, enfin... des petites choses comme ça, c'est vraiment des petits bacs. Alors je vous ai pas dit les prix d'ailleurs. Ça c'est 1,75$, donc ça fait pas 1€. Ça c'était 3$.
pour mes enfants, on va leur faire, je voudrais leur faire la marchande de glace, parce qu'en bas, j'ai acheté un truc de marchande, vous l'avez vu dans les vlogs. Du coup, j'ai acheté des boules comme ça en polystyrène à 1,50$. Je sais pas si j'en ai assez, j'irai peut-être en racheter d'autres pour les peindre. Donc j'ai acheté des pots de peinture parce qu'en fait tout ce qui était peinture et tout, j'ai pas pu les emmener dans mon conteneur et du coup malheureusement, je suis triste, j'ai donné avant de partir pour les classes que j'avais avant. Mais bon, du coup faut que je rachète le matériel et ça me coûte un bras quand même. Hein. Avec Kayla, on a choisi 4 couleurs, chocolat, bleuet, citron et fraise. J'ai pris du détachant pour les vêtements parce que moi ou mes enfants, on stache souvent. Donc, je vais le mettre dans ma buanderie. Ça, j'ai craqué dessus. C'est trop mignon pour mettre les chips à l'apéro. Regardez, un petit bol cœur comme ça à 4$. Donc, ça fait à peu près 2,50. Oui, j'ai pas résisté. J'ai été faible. Pour ma voiture, j'ai pris un petit truc comme ça de... Une petite microfilm, mais vraiment très, très, très douce. Je pense pour le tableau de bord, etc., quand vraiment je veux juste passer un petit coup de microfilm, ça va être parfait pour ma voiture. Et après, je crois que c'est que des trucs d'Halloween. Vous avez vu, il y a des rayons d'Halloween trop canons. J'ai pris ça pour ma classe, pour la déco d'Halloween. J'ai pris des petits sachets comme ça pour mettre des bonbons pour mes élèves. Et je pense que je leur offrirai... Alors ici, il n'y a pas de vacances. Moi, d'habitude, je fais ça avant les vacances d'octobre en France et je leur offre le dernier jour un petit paquet comme ça de bonbons et tout ça, mais s'il n'y a pas de vacances, donc je pense que je ferai en fonction des animations qu'il y a dans l'école ou des choses comme ça. On a pris une espèce de petite maison à construire comme ça pour mes enfants, ça j'ai pris pour mes enfants pour qu'on fasse ça ensemble. Pour ma classe, j'ai pris ce kit là, mais c'est trop bien, il y a des kits comme ça de création pour faire des petites citrouilles un peu sympas, je sais pas si vous verrez ici des petites citrouilles un peu sympas. Et il y a 40 formes découpées, il y a 142 autocollants mousse. Enfin, honnêtement, pour une classe, il y a de quoi faire pour décorer sa classe. Donc, très sympa pour à peine 4$. J'ai pris des petits chaudrons comme ça magiques avec des bonbons à l'intérieur. J'ai trouvé trop sympa pour 2$, je crois, ou 3$, je sais plus. 2,75$. Et un gros récipient comme ça pour mettre les bonbons aussi, c'est pareil pour notre déco d'Halloween à la maison. J'ai pris pour la maison et pour ma classe. Petit paquet comme ça pour mes élèves potentiellement. Et cela aussi pour mes élèves à 2-3$. Ouais, je trouve ça trop canon. Parce que je vais refaire la boîte à cadeaux, vous savez, avec un quota de points. Même si je suis plus dans le thème Harry Potter, je vais quand même faire un système de points. J'ai vu que une de mes collègues le faisait. Et il y aura une boîte à cadeaux pour pouvoir aller chercher des petits cadeaux. Donc, je vais commencer à acheter des petits cadeaux comme ça, des petits lots, pareil, à 1,50$, 1,50$. Ça fait à peu près 1€. Et ça, pour ma déco d'automne, c'est des petites citrouilles comme ça. Et une matière un peu plastique, mais... Je sais pas trop comment acrylique un petit peu. Et j'ai pris 2 pots d'huile comme ça chez Dolorama aussi. Donc là, je vous avais vraiment mélangé Dolorama et Michael, je suis désolée. À 1,75 comme ça. Donc je vais mettre l'huile d'olive. Et là, j'ai de l'huile d'avocat, même si j'aime pas trop ça. Bah, je vais mettre dedans. Voilà pour mes achats et mes préparations du jour. Je vous reprends, je pense, demain pour vous montrer vraiment ce que j'aurai imprimé, plastifié quand ce sera un petit peu plus finalisé. Et je pense que vous aurez ce vlog dimanche. En tout cas, dès maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner des conseils si vous avez des références aussi à me donner pour tout ce qui est blog de maîtresse qui travaille sur comme ça les pays du monde, l'art à travers le monde, etc. Ça peut m'intéresser. Je sais pas exactement où je veux aller, mais je pense que je vais adapter ça au fur et à mesure de mes recherches, de mes envies, de mes motivations et surtout en fonction de mes élèves. Ça va être aussi l'occasion de faire de la correspondance, je pense, avec la France ou peut-être avec d'autres pays, si je trouve des correspondantes. Si vous êtes d'ailleurs enseignante, mis à part en France, parce que ça, je pense que je trouverai facilement, mais si vous êtes enseignante en Suisse, en Algérie, aux États-Unis, j'en sais rien, si vous avez envie de faire de la correspondance, ça peut être cool, ça peut être sympa. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail qui est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à demain. Hello! Aujourd'hui, samedi matin, et honnêtement, je vais m'attaquer à cette pièce-là parce que vraiment, il est temps. Je sais pas si vous verrez, mais c'est le bazar complet!
Et voilà principalement ce que je cherchais. Et j'ai envie de me laver les cheveux et tout ça. Et j'avais plus de shampoing. Donc là, c'est le bac shampoing. Et je pense que j'ai ma routine et secret de Loli là-dedans. Là. C'est dans l'espèce de boîte là. J'ai trop hâte. Voilà un coffret que j'avais acheté à Noël. Ils font souvent des coffrets Noël. Et là, voilà. J'ai shampoing, ampoule shampoing que je vais sortir. Parce que je les aime trop trop. Je vais regarder s'il y a d'autres produits aussi que je dois terminer. Et ce baume aussi là, ce beurre pour les cheveux là à rincer, il est trop trop canon de chez Alverde. C'est une abonnée qui me les a envoyés. Et j'en ai pas mal encore en réserve parce qu'on les utilise avec parcimonie. Mais celui-ci, vraiment, je vous le conseille si vous passez en Allemagne. Il est super hydratant, il vous rend vos cheveux trop canon. Enfin bref, je vais en sortir un pour l'utiliser aussi. J'ai fini de faire une petite tête sympa. J'ai mis ma petite veste. On va sortir avec Chérie. Et routine des cheveux faites. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai eu beaucoup de compliments sur mes boucles. Ça fait plaisir. Nous voici à la salle où on va voir les rapides. Au Canada, peu importe où vous allez, il y a toujours, toujours des tables de pique-nique. C'est assez dingue. Thank you.
Je viens de finaliser un petit peu mon agenda, mon bullet agenda de Make-up et la maîtresse. Celui-ci, je vais l'utiliser avec toutes mes réunions, etc. Mais je vais rajouter tout ce qui est perso aussi, mes rendez-vous personnels ou tout ce qui est lié à mes enfants. Je pense que je vais rajouter dans celui-ci. Et mes élèves vont recevoir à la rentrée, en fait, un agenda qui a été fait par mon école. Voilà, un grand agenda comme ça. Je vous montre pas les couvertures, etc. parce que tout est personnalisé au nom de mon école. Mais chaque élève aura le sien. Et je pense que... D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu. Il est extrêmement bien fait. Il y a des pépites à l'intérieur. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre en détail les pages où il n'y a pas le nom de mon école. Mais voilà, où vous pouvez voir un petit peu. Il y a des choses qui pourraient intéresser les profs. Je pense en France, il y a vraiment quelque chose à constater. C'est vraiment bien fait. Vraiment canon. Et du coup, ben, je pense que je vais utiliser cet agenda-là qui va rester dans ma classe. Je vais remettre toutes les réunions, toutes les dates. Parce que là, je vous avoue que j'ai passé une heure à tout remplir. Parce qu'il y a énormément de dates à retenir, de réunions, de jours fériés, etc. De journées pédagogiques qui sont pas notées dans l'agenda de Marina, en fait. Parce que ben, c'est une version française. Et là, c'est adapté au Canada. Donc celui-ci, je vais le remplir aussi et l'utiliser pour ma classe. J'ai ramené mon petit ordinateur, un petit cappuccino. Et ben, je vais continuer. Cette fois-ci, j'aimerais bien faire faire un emploi du temps. Et je crois que dans l'agenda, là, il y en a un vierge qu'on remplit avec nos élèves. C'est pour vous dire à quel point on les prépare bien au collège. C'est qu'il y a l'emploi du temps ici pour que les parents puissent le consulter, puissent le regarder, même les élèves puissent s'y référer. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, je vais m'occuper de l'emploi du temps. Et ça va me permettre de me structurer pour préparer après mes premières activités. Donc, ici, ils proposent de faire des activités bris de glace. Donc, je pense que je vais préparer un bingo pour mes élèves le premier jour. Je vais faire mes affichettes, etc. sur le thème de la terre et des musées, etc. J'essaierai de vous montrer un petit peu le résultat avant de fermer ce vlog, de quitter ce vlog, parce que j'ai peur qu'il soit trop long. Alors, vous étiez nombreux la dernière fois à me dire « Oui, mais c'est trop bien et tout !» Bon, écoutez, merci du fond du cœur. Vraiment, je suis contente que ça vous plaise. D'ailleurs, dès maintenant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram, à liker, etc. Partager à ceux qui peuvent être intéressés par l'expatriation, par le milieu de prof, etc. Ben voilà, n'hésitez pas à leur partager. Sur ce, je continue mes préparations. Voilà, mon petit bingo de la rentrée est prêt. J'ai pris le modèle que j'avais déjà utilisé l'année dernière. Donc, c'était celui-ci que j'avais utilisé il y a 2-3 ans. Et celui-ci, c'est celui que Laetitia avait fait pour notre journée Team PE. Donc, j'ai modifié quelques petites choses. Et voilà, il est prêt. Si vous voulez que je vous le partage, je vous le mettrai dans mon drive. Hello, on est dimanche. Hier, j'ai reçu deux petits colis. Un colis qui vient de France, c'est ce gros colis là. C'est une grande affiche, je vais vous la montrer après quand je l'aurai ouverte. Et un petit colis Amazon parce que j'avais besoin de must-have hein, pour ma classe, c'est-à-dire ces petits scratchs. En fait, je les avais achetés à Amazon France, mais je les ai laissés chez ma belle-mère parce qu'il y a plein de choses que je pouvais pas mettre dans mes valises. Et j'ai acheté du papier à stickers pour faire tout ce qui est étiquette, prénom, etc. pour imprimer. Et d'ailleurs, je sais que celles-ci, elles sont pas mal utilisées aussi pour la Cricut. Vous pouvez après mettre les feuilles de stickers comme ça sur votre Cricut pour que ce soit découpé par votre Cricut. En tout cas, ils prônent en disant qu'ils sont pas mal. En revanche, c'est une version mat. Hein. Je préfère vous prévenir. Moi, c'est ce que j'aime. Mais ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Je vous mets les liens si j'y arrive en barre d'infos canadien. Et pour celui-ci, je peux vous mettre les liens français aussi que j'avais utilisé en France à l'époque. J'ai pas mal bossé dans mon petit bureau. J'ai fait mes petites étiquettes pour les emplois du temps, pour mon affiche de classe. Et comme vous voyez, j'ai fait tout ça sur Canva avec le thème voyage autour du monde. Voilà, j'ai envie de les emmener voyager. Donc là, c'est ma page de présentation. Et là, j'ai même fait une page pour mon premier jour. J'ai mis 6e année, mais n'importe quoi, Karine. Bon, je vais la réimprimer. Je sais pas pourquoi j'ai mis 6e année, mais c'est 3e année. J'ai dû mal taper.
Donc je vais corriger, mais voilà, j'ai fait une petite page de présentation, une page pour mon... pour mon, comment ça s'appelle, pour ma porte. Enfin voilà, j'ai essayé de préparer un petit maximum de choses. Ça, j'ai pris sur un blog de maîtresse, je vous le remettrai dans la barre d'infos. J'ai trouvé quelques blogs de maîtresses françaises qui peuvent peut-être vous intéresser sur ce thème-là. Et ça, c'est pour mettre dans mon petit meuble à côté de mon bureau avec mon petit matériel. Bon, ce sont mes feuilles à plastifier, je sais pas si vous voyez, de France, donc c'est pas le même format, puis j'ai recoupé un petit peu. Bah, c'est pas grave, je vais quand même plastifier, hein, ça change pas. Puis après, j'achèterai la version ici. En revanche, ma plastifieuse, elle vient de France, elle date d'il y a quelques années. Et là, je l'ai branchée sur le fameux transformateur, là, convertisseur de volts, parce qu'en bas, avec la prise, bah, ça devenait jamais vert, le petit bouton. Donc on va voir si ça fonctionne, j'espère. En tout cas, elle chauffe. Mais bon, on va tester. Ce dimanche en fin de journée, je suis claquée, j'ai bossé toute la matinée, après j'ai fait le ménage dans ma maison parce que j'ai invité Julie, vous savez, Cocovin sur Instagram, à venir goûter. Et on a été se balader, on a été voir aussi une abonnée qui est arrivée à Montréal pour quelques jours et qui nous a ramené des petites cochonneries de France. Évidemment, on l'a remboursée. Et surtout, elle voulait papoter un peu de tout ce qui est expatriation, les écoles ici et tout ça. Donc, on a passé une petite... Oh, je sais pas combien de temps, ensemble, une bonne heure, peut-être plus. On lui a fait visiter un peu le quartier et tout pour qu'on visualise un petit peu le coin. Donc voilà, c'était très cool. J'ai pas mal avancé dans mes préparations, je vais vous montrer. Et je vous montre aussi ce qu'elle m'a ramené. Voilà, et voilà, la gourmande en moi n'a pas résisté, j'ai demandé des Kinder. Alors, il paraît qu'on peut en trouver à Montréal, mais je vous avoue que j'ai pas encore fait tous les magasins dans le coin, donc, mais on peut en trouver potentiellement. Les Haribo, nous on n'en a pas encore trouvé des potables, donc là on est trop contents, et évidemment, le best pour moi, les cappuccinos. Je suis plutôt contente du rendu de mes étiquettes, là, regardez, pour mettre sur ma porte là, ça va être trop bien, je vais faire ça demain. Et là, toutes mes étiquettes pour faire l'emploi du temps, j'ai encore pas mal de choses à préparer, il faut que je réfléchisse au métier aussi des enfants, mais en tout cas, je vais rester dans cette thématique de voyage autour du monde, l'art à travers le monde aussi, voilà. Dans cette idée, et je vais peut-être faire un appel sur Internet, sur Instagram, si vous avez envie de m'envoyer peut-être des cartes postales d'un peu partout dans le monde, ça serait trop cool pour mes élèves, pour pouvoir peut-être compléter un planisphère. Je sais que j'ai une collègue de Lille qui a fait ça, qui avait mis un planisphère dans sa classe, et elle avait relié avec pas mal de petites cartes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Ça aurait été cool. Donc, si ça vous dit de faire ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur mon mail que je vais vous inscrire ici et qui est dans la barre d'infos. Voilà, ce serait trop cool de faire un petit projet là collaboratif avec tous ceux qui me suivent aux États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, voilà, d'un peu partout. Ça peut être trop canon. Sur ce, je vais arrêter là ce vlog. Je vais au fond repartir à mes préparations et je vous partagerai demain ma dernière journée de pré-rentrée. Et surtout, je pense que dans le prochain vlog, je vous parlerai de ma première journée officiellement en classe pour savoir comment ça s'est passé. Toujours sans filmer ma classe, mais en tout cas, je vous partagerai mon ressenti. Peut-être je vous partagerai aussi les méthodes. J'ai ma collègue qui m'a passé les méthodes qui sont utilisées dans les écoles ici. Mais je pense que je vais bouquiner ça demain et je vous en reparlerai dans le prochain vlog si ça vous intéresse. Et on continue notre petite vie au Canada. Vous avez vu qu'on était parti au Rapide dans la ville de La Salle. En fait, c'est au sud de Montréal, donc c'est pas très très loin d'ici. Et on continuera nos petites balades dans les week-ends, les soirées. Voilà, on fera ce qu'on peut. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour toutes tous les commentaires vraiment trop adorables que vous me laissez en dessous. Là, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup de me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez ce vlog, partagez-le autour de vous. Et je vous fais des milliards de bisous. Je vous retrouve sur Instagram.